Hey guys, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je m'occupe de ma peau, sachant que ma peau est très grasse. Du coup j'ai essayé plein de trucs qui n'ont pas fonctionné, mais cette fois je pense que c'est la bonne. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Avant toute chose, je commence par me mouiller le visage. Par la suite, je vais appliquer mon gel sébo végétal de chez Yves Rocher. Je l'utilise également très souvent pour me démaquiller, mais cette fois, c'est juste pour nettoyer le visage avant de mettre quoi que ce soit sur ma peau. Du coup, j'essaie de bien frotter sur toutes les parties du visage. Je vais donc mouiller à nouveau mon visage pour enlever le premier produit que j'ai mis sur ma peau. Et je vais essuyer tout ça. Seulement moi, j'essuie jamais mon visage avec la serviette. Je préfère prendre un soupalais. Et je vais juste poser en fait sur la peau pour enlever l'excédent d'eau et sans plus. Par la suite, je vais utiliser mon gommage végétal poudre d'abricot toute peau de la même gamme Yves Rocher. Et je vais par contre éviter de trop frotter sur le visage parce que ça c'est scrub. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des petits grains à l'intérieur qui risqueraient de me blesser si je frotte trop fort. Donc je vous conseille d'aller tout doucement. Oups, merde, mon visage il est rouge. J'ai dû faire un peu plus attention. Toujours essuyer avec du soupalais, toujours. Jamais une serviette déjà utilisée pour le corps. Maintenant, je vais appliquer mon masque purifiant à l'argile pour réduire l'excès de sébum et désincruster les pores. Il libère également la peau des impuretés. Et ça, je le fais 2 fois par semaine. Je laisse reposer 5 minutes, ensuite je rince. Et pour terminer, je prends ma crème de jour, c'est beau végétal également, toujours de la gamme Yves Rocher, et je vais l'appliquer. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je t'invite à t'abonner, liker, laisser un pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que je remarque que beaucoup de personnes sont abonnées à moi mais n'ont pas forcément activé la cloche de notification et du coup ils ne sont pas informés lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc activez la cloche de notification et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous.